Voilà, test, test. Commence toujours par faire un test de son, le test du son, test de l'image, test du son. Veuillez m'écrire si le son est bon. Comme ça. Le son est bon, j'espère. Ok, le Comment son est toujours bon. pas faire un test. Voilà, préparer ça pour les images et les commentaires. Quand on sera là, on sera prêt. Bon, on va attendre un peu que les gens puissent se connecter. Voilà, comme ça je peux commencer tout d'abord par saluer tout le monde. Commencer par saluer tout le monde. Je vais un peu voir les commentaires. Voilà, on est déjà 30, il est 2 minutes, on est déjà 30 en direct. Tout cela tombe à atteindre au moins 50 et ça, bien. 13 commentaires déjà. Bon, laissez-moi lire un peu les commentaires. Ils sont où les commentaires? Je n'arrive pas à lire les commentaires, pourquoi? Swipe to reveal comments. Bon, je n'arrive pas encore à lire mes commentaires. Ce qui complique un peu les choses. Mais bon, on va voir ici. Bon, voilà. Le son est bon, présent. Bonjour à Munda Ilunga. Comme tu m'avais dit que tu vas mettre l'alarme. Au chaque alarme, ça va. Bonjour Serge Casse. Bonjour Fabiano Kumwamba. Le son est très bon. Bonjour June Matt. Bonjour Lina Ryan Sophia. Salut Lina Ryan, le meilleur. Voilà, merci. Salut à Théo Mboni. Bonjour, bonjour. Bonjour à Fabiano Kumamba. Bonjour. Donc voilà, on est déjà 50. On peut commencer notre émission hebdomadaire. Cette émission Podcast Bellini qui, en principe, est là pour retracer un peu toute l'actualité qui englobe un peu le sport congolais, c'est-à-dire c'est une émission hebdomadaire que nous consacrons à, non seulement à l'information, mais aussi à l'éducation. C'est-à-dire que nous tenons compte que à chaque fois que vous venez ici et que vous participez à cette émission, il faudra qu'à la fin de l'émission, Bissonioso, hein, pour apprendre quelque chose. C'est-à-dire qu'en participant, en échangeant avec vous, non seulement vous apprenez, mais moi aussi, de mon côté, j'apprends beaucoup. Donc, c'est un échange que nous avons organisé et que nous avons pensé en complicité avec Global Sport Promo, BMTV, Léopard Sport, toutes les équipes de page, toutes les pages de football congolais. C'est-à-dire que nous aimerions bien travailler en synergie pour faire face en fait à ce qui est en train de se tramer au niveau local. Je vais vous expliquer après. Donc voilà, l'actualité sportive au Congo a été dominée cette semaine par la rencontre qui a opposé le Bahreïn à la RDC, la République démocratique du Congo. Une rencontre qui s'est soldée par une défaite de la République démocratique du Congo face au Bahreïn, un but à zéro. Bon, voilà, je crois que nous tous, nous avons suivi la rencontre et après avoir suivi cette rencontre, nous avons tous eu des émotions que nous avons voulu. Voilà, émotion mais. Je crois que nous devons rester professionnels et j'ai reçu beaucoup d'appels des gens qui m'ont demandé de réagir. Mais vous savez, les réactions à chaud, des fois, peuvent être trop violentes. Et des fois, nous devons aussi penser aux familles, nous devons penser peut-être à certaines choses et nous devons peut-être réagir de manière différente et de manière beaucoup plus professionnelle. Je vous remercie tout d'abord d'être là aujourd'hui parce que nous avons à parler. Le menu de ce jour, c'est
Voilà, le stage, on a terminé le stage par une défaite face au Bahreïn. Nous aurons aussi à parler de la situation des binationaux et nous aurons aussi à parler du stade des martyrs. Le cas de Edo KMB, beaucoup m'ont posé la question, même si ce n'est pas un cas grave, mais nous aurons à en parler. Et pour terminer, nous allons faire un tour autour de ce qu'on avait appelé des renforts. OK? Donc, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager. C'est une façon pour vous de contribuer à ce que nous faisons. Hein, Tosa, comme vous voyez, on n'a pas beaucoup de moyens. On fait juste avec les moyens de bord. Tous ceux qui veulent participer ou contribuer peuvent toujours nous appeler. Hein, vous êtes les bienvenus pour un bolamou. Un petit rappel, cette émission n'a salamou lingala. Pourquoi? Parce que na salamou pour na kubatibile ba paya ba yo kakamakambo ba secret nous sous tout ça. Des fois il y a des choses qu'on doit garder pour nous. Hein? Mais na zupe ba demande bele ya batubazo lingana lo makambo na français. Donc je vais essayer de mixer un peu les choses. Mais les sujets sensibles, vous allez m'excuser, na olobango, na lingala. Hein? Donc, bobo sanate, bo aimé s'il vous plaît, bo aimé, voilà, c'est une façon pour vous de contribuer à ce que nous faisons. Bon, passons au premier sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le débrief de cette rencontre RDC-Bahreïn. Bon. On a vraiment beaucoup à dire, mais au-delà de tout ce que nous avons à dire, il y a quelque chose de très important que nous devons souligner. C'est vrai, tactiquement, on est pauvre. Techniquement, on est en dessous de la moyenne. Hein? Mais il y a un aspect très important que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. C'est l'aspect mental. Cette équipe a un problème mental très grave. Et c'est aujourd'hui que je vais vous le démontrer. Mais vous savez, nous allons faire une étude psychique de cette équipe nationale. Pourquoi je dis psychique? Parce que psychique, pas psychologique en fait. Psychique parce que le psychique, c'est l'ensemble des éléments qui constituent la vie mentale de quelqu'un. Hein? Donc, tout ce qui concerne la pensée, les sentiments, hein, donc voilà, le bien-être, tout ce qui est autour de l'intelligence. Donc, c'est le psychique, en fait. Le psychologique, c'est plus l'étude de ces éléments. Nous allons alors nous allons parler de tout cela pour voir comment est-ce qu'on peut situer le contexte actuel. Parce qu'au-delà de tout ce que nous avons, au-delà de tous les problèmes que nous avons, que ce soit les problèmes tactiques, que ce soit les problèmes techniques, que ce soit les problèmes d'organisation, il y a toujours une relation avec la préparation mentale. On ne peut pas gagner un match, on ne peut pas gagner une compétition si notre préparation mentale fait défaut. Et quand j'ai regardé cette rencontre, vous allez m'excuser. Quand j'ai regardé cette rencontre, j'ai fini par comprendre le véritable problème de cette équipe nationale. La connexion. Il y a un problème de connexion, faites-moi signe. S'il y a un problème de connexion, faites-moi signe. Serge Cast, tu me dis connexion. Mais bon, je ne sais pas. Moi, je crois que je suis bien en ligne là. Hein, il n'y a pas de coupure. Donc voilà. Cette équipe a un problème sérieux. Au niveau mental. Pourquoi? Parce que à partir du moment où les éléments qui sont importants pour qu'il y ait une victoire ne sont pas réunis, c'est très 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 grave. Au lendemain de la victoire de la Zambie face à la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique en 2012, il y a Hervé Renard qui avait dit, Hervé Renard avait dit, c'est un signe. Cette victoire est un signe, c'est un signe du destin. Pourquoi? Parce que pendant toute leur préparation, ils avaient basé leur force psychique à partir de la perte de leurs joueurs internationaux. Vous vous rappelez
du drame de Lusaka quand ils avaient perdu toute une équipe nationale. C'est-à-dire que ils avaient puisé leur force, hein, parce que Ming-Ming Tolobara, Zambie côté gagnant Côte d'Ivoire. La Zambie a gagné la Côte d'Ivoire au niveau mental. C'est-à-dire que c'était une équipe très résistante parce qu'elle avait un élément sur lequel elle s'appuyait. Et cet élément, c'était la perte, c'est-à-dire le drame de Lusaka. C'est-à-dire que quand cette équipe nationale était morte, le discours qu'ils avaient eu, qu'ils avaient reçu, c'était de Bobo Manzoto parce que c'est vous avez quelque chose à donner à ces familles qui avaient perdu leurs parents, qui avaient perdu leurs frères, qui avaient perdu leurs cousins. C'est-à-dire qu'ils avaient un élément qui leur donnait la détermination et la motivation. C'est pourquoi, au-delà de l'aspect tactique et de l'aspect technique que la Zambie avait, parce qu'elle avait déjà un avantage, elle n'avait pas des joueurs locaux, elle avait des joueurs qui jouaient en Afrique du Sud, un peu partout. Et c'est ce collectif-là, cet ensemble-là, cette force-là, cette résistance qui les a permis de battre celui qui était considéré comme le favori. Parce qu'au départ avant même le départ avant même le début de la rencontre, la Côte d'Ivoire, elle était favorite à 40 contre 1. Même Didier Drogba, après la finale, avait dit que j'ai joué contre des surhumains. Alors quand Didier Drogba dit cela, cela veut dire qu'il a joué contre des hommes qui étaient plus que des hommes. Alors, pour gagner des victoires, pour gagner, pour se surpasser, il faut gagner, il faut d'abord avoir cette force mentale. Mais maintenant, pour étudier cette force mentale, nazu force mentale wa na ye na sikoyo na équipe nationale Nabisso. Vous savez qu'on ne peut pas analyser une équipe nationale seulement en regardant les joueurs. C'est-à-dire qu'il y a un organigramme, il y a toute une organisation qu'on doit analyser. Alors pour analyser cette organisation, nous avons le devoir de commencer tout d'abord par le haut de l'échelle. Et ensuite, nous allons descendre vers le bas de l'échelle. Vous allez remarquer une chose, vous allez remarquer que tout ce qui est mal fait dans le haut de l'échelle a des répercussions et des conséquences dans le bas de l'échelle. Le bas de l'échelle, ce sont les joueurs. Le haut de l'échelle, ce sont nos dirigeants. C'est les visionnaires, tous ceux qui dirigent le football au Congo. Mais maintenant, quand je regarde le haut de l'échelle, il y a un défaut, un vice qui a été aussi l'objet de beaucoup d'études avec Platon dans les temps, tout ça, pour tous ceux qui s'y connaissent en philosophie. Vous allez comprendre que la corruption, quand elle est présente dans une organisation, elle est non seulement conductrice de plusieurs défauts et de plusieurs problèmes, mais elle engendre aussi toute une destruction qui finira par nous amener à la dépravation et à la dégradation complète de toute la société, de toute l'organisation. C'est-à-dire que quand je regarde le dirigeant congolais du football, je me dis qu'il n'est pas malhonnête parce que il le veut, mais ça devient une nécessité vitale. Il y a Albert Einstein qui avait dit que quand quelqu'un est trop intelligent, il peut devenir bête. C'est-à-dire ceci, que l'intelligence peut nous amener à devenir bêtes, surtout quand cette intelligence est mal canalisée. C'est-à-dire quand on utilise l'intelligence pour des futilités, cette intelligence va devenir une intelligence qui va nous amener à la destruction. Je vous donne un exemple. Le stage de l'Égypte, ce sont les hommes intelligents, les dirigeants qui l'ont créé. En fait, au lieu de perdre du temps, au lieu de consommer cette intelligence avec des projets qui devraient construire, à cause de la corruption et de l'égoïsme, ils se sont créés un stage en Égypte pour se partager le gâteau. Vous voyez comment l'intelligence peut être destructrice.
Et à partir de ce moment que les dirigeants sont en train de corrompre et de se corrompre, c'est-à-dire qu'ils sont en train de vendre leur liberté. C'est-à-dire que tu vends ta liberté parce que toi-même tu te sens libre de la vendre. Mais quand ils vendent leur liberté, c'est parce qu'ils n'ont pas de conscience. Et c'est très difficile pour nous aujourd'hui, en tant que supporters de cette équipe nationale, de combattre cela. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, en fait, Nassal Arabe Mission O n'était pas pour le plaisir. Nassal Arabe Mission O, parce que je sais que même si on est 100, même si on est 80, même si on est 20, même si on est 3, il y aura peut-être une personne qui apprendra quelque chose et qui portera peut-être un vent de révolution. Parce que nous ne sommes pas en train de combattre des personnes physiques, nous sommes en train de combattre des consciences qui sont corrompues. Et c'est là le gros problème que nous avons. Le travail, il est dur, le travail, il est difficile. Parce que quand j'invite M. Régnier ici et que je lui pose la question, que je lui demande de me dire et de présenter quand même ses excuses, et que le monsieur a le courage et le toupet de défendre ses mots, vous comprenez directement que nous avons affaire à des gens qui dans leur conscience ne se reprochent de rien. Donc vous devez comprendre d'un côté que Moussala Otozo Sala, et ça Moussala facilité, c'est que quand dans leur conscience ils ne se sentent pas reprochables, tout ce que eux ils font, les conséquences, elles sont à la naba joueur. Pourquoi non le baboué? Parce que un joueur qui se retrouve sur le terrain, monsieur, je viens de lire ton exemple. Depuis Goma, je pense que les joueurs aussi doivent se donner à fond et pas jouer comme s'ils ne veulent pas. Voilà, on va y arriver. C'est pourquoi je dis. Les conséquences sont visibles avec les joueurs. Pourquoi? Parce que un joueur qui se retrouve sur le terrain et que dans sa conscience, il sait qu'il a corrompu pour se retrouver là, il se bat d'abord contre sa propre conscience. C'est-à-dire que quand un joueur a besoin d'une préparation mentale, c'est-à-dire qu'il a besoin de trois éléments, c'est-à-dire la condition physique, c'est-à-dire qu'il doit avoir l'agressivité, la vitesse, l'endurance. Il a besoin de la technique, c'est-à-dire contrôle de balle, le passe, les bases de la technique. Et il a besoin aussi de la tactique, c'est-à-dire qu'il doit avoir au moins les connaissances nécessaires pour se maintenir sur un terrain pendant 90 minutes. Mais quand un joueur, dans sa propre conscience, sait qu'il n'est pas dans une bonne condition physique, ou alors qu'il n'a pas la technique requise pour être dans une sélection nationale, ou alors qu'il ne maîtrise pas les tactiques nécessaires pour se positionner sur un terrain, vous allez remarquer que ce joueur aura ce qu'on appelle le stress. Parce qu'il combat d'abord avec sa propre conscience, et cela va engendrer ce qu'on appelle la peur de ne pas performer. Je vous donne l'exemple des. Vous avez vu les Tonombe, les Bangala, tous ces joueurs-là qui ne méritent pas la sélection nationale jouent avec la peur au ventre. C'est-à-dire que quand l'équipe nationale a le ballon, ils se cachent derrière les adversaires. C'est-à-dire que la RDC joue contre elle-même, en fait. C'est-à-dire le premier adversaire de la RDC. Aujourd'hui, je sais qu'on peut parler tactique, on peut parler de tout. Bonjour Benoît, on peut parler de tout. Moi, je vais parler de la tactique, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a à analyser tactiquement de cette rencontre RDC-Bahreïn? Posez-vous la question. Il n'y a rien à analyser. Cette rencontre était d'une pauvreté tactique énorme. Excusez-moi le mot. Cette rencontre était d'une pauvreté tactique énorme. Quand tu regardes un joueur comme Kayambangan, posez-vous la question, a-t-il la condition physique, a-t-il la maîtrise tactique, a-t-il des suffisances techniques pour être dans une sélection nationale? À partir du moment où lui-même le sait et que dans son subconscient,
Il est conscient qu'il n'a pas le mérite d'être là. Il jouera avec la peur. Il jouera avec ce stress-là qui va l'empêcher de performer normalement. Voilà la différence d'un joueur qui ne mérite pas la sélection. Un joueur comme Bongonda qui joue complètement libéré avec la confiance. Un joueur qui rentre dans un terrain et qui, dans son subconscient, il sait il n'est pas là. Il est là, mais il ne le mérite pas. Il n'aura pas la confiance en soi. Et c'est là le noyau du problème. Un joueur comme Bolasie, qui dans son subconscient sait qu'il n'est pas apte physiquement pour tenir 90 minutes, pour faire les courses qu'il faut, pour se déplacer et pour faire le travail défensif, vous allez comprendre que ce joueur-là n'aura pas la conscience tranquille. C'est pourquoi vous voyez sur le terrain des joueurs qui manquent des contrôles basiques du football. Parce que Bazoubang a déjà, il joue déjà avec la peur. Vous comprenez un peu? Donc il fallait que je passe tout d'abord parce que il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent en sélection nationale. Je vous donne l'exemple de Kayambangando, c'est le joueur de Bobo Bondembe. S'il est en sélection nationale, c'est parce que Bobo Bondembe est derrière tout ça. Donc s'il y a des joueurs qui se retrouvent, chacun de ces joueurs qui ne méritent pas la sélection sont là parce qu'ils ont quelqu'un qui le pousse à le faire. J'avais posé la question à M. Régnier, pourquoi avez-vous le droit, vous avez le droit de organiser un stage pour que Hector Cooper puisse voir les joueurs, mais vous ne donnez pas le droit à Roger Itoto de concocter une liste de 24 joueurs sur laquelle Monsieur Hector Cooper devrait s'appuyer pour renforcer l'équipe nationale. Pourquoi vous avez ce droit et l'ambassadeur n'a pas ce droit? J'ai reçu quelqu'un qui avait intervenu sur ma page pour me dire que voilà, ce n'est pas dites à Monsieur Roger Itoto, s'il veut que son projet marche, il faut qu'il soit près de Hector Cooper. Mais tout est fait pour que lui ne soit pas là. L'ambassadeur n'a même pas été invité pour être au Bahreïn. Et c'est là que maintenant la mentalité de nos dirigeants commence maintenant à nous faire mal. Parce que toutes ces gens qui sont, toutes ces personnes qui sont autour de la fédération, ce n'est pas toutes ces personnes, toutes les personnes qui sont mauvaises. Vous avez aussi des bonnes personnes, mais des personnes qui restent silencieuses et qui ne disent aucun mot. Des personnes qui sont silencieuses, malgré tout ce qu'ils voient, et qui ne disent pas un mot, vous êtes complices. Quand je regarde les anciens joueurs de Léopard, qui ne disent aucun mot, et qui ne contribuent pas afin que nous puissions sortir vainqueurs de ce combat, des anciens joueurs qui ne se manifestent pas, et qui ont peur d'intervenir et de dire non, basta, ça suffit, on a assez souffert, vous êtes complice. C'est-à-dire que votre silence est complice de l'âme corruptible. Le joueur qui se retrouve sur le terrain et qui ne mérite pas d'être sur le terrain, son cœur n'y est pas. C'est-à-dire que le football, le sportif, il travaille dans une interaction entre le corps et l'esprit. Tu ne peux pas les dissocier. C'est-à-dire que quand l'esprit n'est pas bon, le corps ne sera pas bon. Il travaille dans une certaine synergie. Donc voilà, il fallait que j'épingle un peu ce problème mental autour de la sélection avant de parler tactique. Parce que souvent, nous parlons trop de tactique et de technique. Ça, ce sont les bases d'un joueur. Après avoir préparé toutes ces choses et après avoir maîtrisé toutes ces choses, c'est là maintenant les bases qui vont vous permettre de préparer mentalement une rencontre. Mais quand dans votre subconscient, vous êtes conscient que vous ne maîtrisez pas toutes ces choses et que vous êtes là à part grâce à la corruption, c'est normal de voir tous ces spectacles que nous sommes en train de voir. Et non seulement cela enlève l'esprit de gagne, l'esprit de victoire qui n'existe pas dans cette équipe nationale des Léopards. Les Léopards entrent sur le terrain pas pour gagner. Dites-moi, est-ce que vous sentez que ces joueurs entrent sur le terrain pour gagner? Non.
C'est-à-dire qu'ils sont là en réaction. C'est-à-dire qu'ils défendent pendant toute une mi-temps. Et après la deuxième mi-temps, quand ils encaissent le but, ils essayent quand même de sortir pour créer quelque chose. Et c'est là le problème. Est-ce que nous entrons dans un terrain pour gagner une rencontre? Ou bien nous entrons sur le terrain juste pour figurer? Et c'est pourquoi, au lendemain de la victoire face au Bénin, nous avons parlé des renforts. Ce n'était pas pour rien. On a parlé des renforts parce qu'on avait remarqué que Moukoko Amalé est bon, il est bon dans la motivation, mais sauf que pour tous ceux qui connaissent le mythe de Ptolémée, je crois, c'est-à-dire que le feu, c'est un outil qui nous est très indispensable. Mais si tu utilises le feu de manière erronée, le feu peut être destructif pour toi. C'est la même chose pour Moukoko Amalé. C'est-à-dire que son élément qui fait de lui qui fait de lui ce bon joueur, c'est sa motivation. Mais il faut qu'il puisse canaliser sa motivation. Quand ta motivation elle est mal canalisée, ça devient très dangereux pour l'équipe. Parce que non seulement ton positionnement sur le terrain est catastrophique, non seulement tu commences à croire que tu peux tout faire avec un ballon alors que ce n'est pas ton rôle, hein? Non seulement tu commences maintenant à courir partout et à faire le rigolo, c'est comme si tu deviens un clown sur le terrain, c'est là maintenant que ta motivation ne devient plus un atout pour toi, mais ça devient maintenant un couteau qui va te percer. C'est le feu destructif maintenant. Vous voyez? Donc, il faut qu'on puisse canaliser cette équipe nationale. Je ne vois même pas comment analyser tactiquement cette rencontre, parce qu'elle était pauvre. Nous n'avons pas les joueurs pour jouer en ce moment. Il fallait renforcer. Il fallait renforcer du côté droit. Il fallait renforcer du côté gauche pour les latéraux. C'est-à-dire avec la perte de Masuaku, il fallait chercher le profil qui ressemblait un peu à Masuaku. On devait penser à Vital Simba. Qu'est-ce qui coûte à cette fédération de contacter Vital Simba qui était déjà venu? C'est juste une question de passeport. Ils ont refusé. Au milieu de terrain, on pouvait faire le forcing pour Aurel Mangala, on pouvait faire le forcing pour le jeune de l'Italie, Makengo. C'est-à-dire que le but, c'était d'avoir 11 bons joueurs sur le terrain. Et 11 bons joueurs sur le banc. C'est ça qu'on appelle renfort. Aujourd'hui, tout le monde a vu que Théo Bongonda est un renfort. Voilà la différence. Voilà de ce qu'on parle. On ne parle pas des bouches-trous. Parce que les bouches-trous, on en a beaucoup. Moi, si aujourd'hui, je n'ai pas Masuaku dans une rencontre, je mets Moutoussami bas gauche. Voilà. Parce qu'il le fait aussi bien à Nantes. Je mets Moutoussami bas gauche parce que je sais que Ngone, dans ce moment, n'est pas performant. Et je sais que Luzolo, même en Mazembe, ne joue pas. Mais comment se retrouve-t-il en équipe nationale? C'est là le problème. C'est-à-dire que nous avons des dirigeants qui sont corrompus, qui n'ont pas de conscience, qui se croient irréprochables, et qu'ils font ce qu'ils font, ils font ce qu'ils veulent avec la sélection nationale. Et nous avons des dirigeants qui ne sont pas corrompus, qui regardent et qui voient, mais qui ne disent rien, qui restent silencieux. Nous avons les anciens joueurs qui ne disent rien et qui restent silencieux. Et il ne reste que nous, nous pauvres médias, nous pauvres gens qui passons le temps à enseigner ou à éduquer ou à transmettre des informations, qui sommes combattus. Aujourd'hui, tout est mis en place pour écarter Roger Itoto de la sélection nationale parce que ma vérité. Alors faut qu'on écarte. Les gens qui me demandent les questions de Mpoku, attendez, vous allez apprécier. Hein? Vous allez apprécier. Donc voilà, Vital Simba, Azawana chaque week-end, le type il performe. Mais qu'est-ce qui fait que là, nous sommes incapables de lui donner un passeport? C'est là qu'on se pose les questions. C'est là qu'on comprend toutes les magouilles qui tournent autour. Et puis on se retrouve devant des dirigeants qui ont le toupet, le courage de manipuler les informations devant la population. Quand un dirigeant se met devant la population et dire que
On a déjà quatre binationaux qui vont rejoindre la sélection nationale. Mais c'est faux. Vous avez contacté qui? Et tout le monde s'enjaille sur la toile. Ah, Nkoukouazoya, va contacter Wan-Bissaka. Non, dites-nous le nom, la personne, le contact. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Il faut le dire. Il faut dire, c'est le contribuable, c'est la personne qui paye ces fédérations et tout ça. Il a le droit de savoir ce que vous faites. Vous devez informer les gens. Ok, on a contacté Wan-Bissaka, on a contacté Koukou. Au lieu de faire, de jouer à manipuler les gens, à manipuler les médias. Il ne faut pas mentir aux gens pour qu'à la dernière minute, vous venez encore dire que, ok, Baboyaki, c'est faux. C'est comme ça qu'aujourd'hui, la population congolaise est manipulée et aujourd'hui rejette Claude Makélélé. Et pourtant, Claude Makélélé avait manifesté la volonté de rejoindre l'équipe nationale. Kimpembe avait manifesté la volonté de rejoindre l'équipe nationale. Pourquoi aujourd'hui le Kimpembe joue avec l'équipe de France? Parce que c'est nous qui les avons rejetés. Mais nous sommes les premiers à les insulter. Vous allez remarquer que l'équipe de RDC joue sans volonté sur le terrain. Il n'y a aucune motivation. C'est comme s'ils venaient juste pour remplir une certaine formalité. Il n'y a rien qui les motive en fait. Tu vois, Tisserand avec le ballon, il ne sait pas, il va donner le ballon à qui? Idoumba Fasika, c'est un bon défenseur, mais ça se limite là. Parce que si vous faites l'analyse tactique de cette rencontre, vous allez remarquer que Idoumba Fasika, dès qu'il donne le ballon à Tisserand, il reste dans son coin. Au lieu de s'approcher et de faire le surnombre pour enclencher une action offensive, non, il donne le ballon, il est tranquille dans son coin, il reste debout. Donc voilà, c'est simplement un défenseur. Point barre, pour lui c'est ça. Point barre, je suis tranquille, j'ai fait mon action, j'ai donné le ballon à Tisserand. Je reste là. Tu regardes Kayambangandou, nul de chez nul. Mais il se retrouve chaque fois dans la sélection. Tonombe, nul de chez nul, incapable de donner une passe. Bangala, je ne sais pas pourquoi il a pressé de cette façon, mais je crois que la Tanzanie lui a rendu mauvais service. Ce n'est plus le Bangala que j'avais vu contre le Maroc la fois passée. Bolasie, c'est un clown sur le terrain. Moi, quand je vois Bolasie avec son âge, je me dis que, ok, le gars, il va jouer avec de l'expérience, il va apporter toute son expérience. Mais c'est le contraire, c'est un gamin de 12 ans. C'est un gamin de 12 ans, excusez-moi de le dire. C'est un gamin de 12 ans. Il est incapable de s'assumer en tant que doyen d'une équipe nationale avec toute l'expérience qu'il a connue. Donc je suis désolé de vous le dire. Si moi aujourd'hui je dois prendre deux joueurs de ce stage qui s'est passé au Bahreïn, je prends Tisserand, je prends Théo Bomona, c'est fini. Le reste, je le jette à la poubelle. Nous n'avons pas de joueurs. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'on n'a pas eu les renforts qu'on voulait. Parce qu'un renfort doit être à l'aise. Il doit nous montrer qu'il a cette confiance de soi. Quand on regarde Théo Bomonda, on comprend que ça, c'est un renfort. C'est de ça qu'on parlait. On ne parlait pas de renfort, des bouches-trous ou de adhésion nationale ou de cohésion nationale. Malheureusement, notre population. Malheureusement, notre fédération, tous ceux qui nous dirigent, sont en train de manipuler toute cette population. Bazo manipuler Bino. Pourquoi? Parce que yebi que ce qui va manipuler Binoté, Bokozala en mesure et à profond, la mise se peut comprendre. Parce que ce qui va linga qui vraiment football local, linga condition normale, linga projet en place. Pour soutenir le football local. Le football local est en train de mourir. C'est lui, l'arbre qui cachait la forêt, c'était le tout-puissant Mazembe avec Moïse Katumbi. Aujourd'hui, le football local est en train de mourir. Moi, je vous le dis. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis en train de dire ces choses. J'ai commencé à dire ces choses bien avant. Parce que si aujourd'hui, vous dites que non, Bissopeba en équipe nationale, mais donnez-leur les moyens pour s'affirmer et pour s'exprimer. Tant Bozo Kata championnat,
Qu'est-ce que vous avez des conséquences au Qatar championnat? Est-ce que vous avez des conséquences il y a joueur avant d'attaquer une semaine à Betty Match? C'est grave. Les joueurs sont appelés à performer chaque semaine. Maintenant, quand vous faites cela, quel est ce sponsor sérieux qui va venir à côté de 5 millions sur la table pour dire, oh non, c'est la faute à l'État, à subventionner tes taxes. Non, il faut d'abord que vous soyez sérieux avant que l'État puisse venir et intervenir. Parce que sponsor Moroté Akoya, Akocha 5 millions de dollars dans la table, à mon akeno, ça me dit, oh il fallait que tu aies ma pancarte, na, et tout ça, publicitaire, tout ça, au match, parce que 3 joueurs dans l'équipe nationale. C'est ça. C'est-à-dire que le Congolais aujourd'hui ne réfléchit pas en termes de conséquences, c'est-à-dire la loi de la causalité. Batman comprend dans les causes, les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. C'est-à-dire que pendant 20 ans, ce qui se passait en 2001 se passe aujourd'hui en 2022 parce que nous n'avons pas su traiter les problèmes en 2001. Mais les Congolais, en fait, moi je ne comprends pas. C'est-à-dire que, donc comment on dirait Batumoko? C'est-à-dire que nous sommes manipulés, on dirait poupée Moroboé. Kende, l'obéla moutouana boy, yopoke yo lobby. Mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de te tuer toi-même. Tu es en train de tuer ta propre conscience. Come on, guys, réveillons-nous. Nous sommes quand même des gens intelligents, nous avons étudié. Il ne faut pas que mon arabe soit le quoi là-bas, tous en réflexion. Ce n'est pas ces gars de la fédération qui peuvent. Excusez-moi. Congo. Vous n'allez pas me dire qu'au Congo, il n'y a pas un meilleur milieu, un joueur milieu meilleur que Tonombe. Vous n'allez pas me convaincre. Ce qui n'a pas inspection, n'a pas trouvé le meilleur talent que le joueur va sélectionner. C'est-à-dire que le joueur même va sélectionner au niveau local, comment se fait-il qu'après 7 matchs, vous aurez remarqué que le joueur a performé, mais vous avez le courage de ne pas sélectionner Mpoku, vous avez le courage de ne pas sélectionner Asumbalanga, vous avez le courage de ne pas sélectionner Vital Nsimba, vous avez le courage de ne pas appeler même Kokenegobon de la tâche Charles Piquel pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Mais et là, vous avez besoin de la télévision, vous avez besoin de la manipulation, dire que, ok, 4 binationaux sont en route, tout ça. Mais tu y a bien que ça a kaba o na ba signé qui ba passeport, ils a si là, ils a oui ça, ils a qui ils a comment ça s'appelle full et redoc pense. Faut arrêter de manipuler les gens. Faut tous à la sérieux. Faut tous à la sérieux. Ça c'était franchement pour les débriefs, je m'arrête là parce que les débriefs en fait, il n'y a rien à débriefer. C'est-à-dire que ce match-là était d'une pauvreté tactique énorme. On va analyser le match à Bondini. On va commencer par où? Parce que la RDC ne fait que défendre. Mais quand elle récupère le ballon, elle fait quoi avec le ballon? C'est ça la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que la RDC fait quand elle a le ballon? Quel est ce mouvement qui est fait en fait de gauche à droite, sans ballon ou avec ballon, pour amorcer une phase offensive? Et c'est là que je me pose des questions sur Hector Cooper. Est-ce que Hector Cooper est conscient? C'est la faute à l'entraîneur ou c'est la faute au joueur? C'est-à-dire que voilà, maintenant je comprends que c'est un problème mental. Et ce problème mental ne vient pas seulement des joueurs, mais les gens qui sont corrompus et qui sont corruptibles et qui n'ont pas de conscience. C'est-à-dire que c'est la différence, la différence entre un homme et un animal, c'est-à-dire qu'un homme qui n'a pas de conscience, c'est une chose en fait. Ce sont des choses. Ce sont des gens qui n'ont pas de conscience. Donc voilà. Le cas Edo-Kayembe. Je vais être très bref sur Edo-Kayembe. Moi, j'ai reçu l'appel des gens qui se sont plaints que voilà, après le transfert d'Edo-Kayembe, l'agent, je vais pas citer le nom. Hein? Mais ceux qui sont capables de regarder ou défendre Kanaé, il peut toujours aller à la tribune, Naoyambaye avec plaisir. L'agent, Azwa Mbongo, c'est-à-dire que Apesa n'a pas club formateur. Ce que le club formateur, on a ce que le déclaré, apparemment, Azwa Fola.
Donc, ce qui va être petit, va se lier, qui va zoomer normalement, il fallait pas zoater, bah ok, négocier, plaindre, tout ça. Mais ce n'est pas que les bébés sakaïens bon, bah ça capable père comme Mayango na tribunal international, tout ça, tribunal de football, tout ça. Mais c'était juste pour vous informer que Edo Kayembe, après son transfert, bah, club formateur naïe, bah ils ont réclamé de l'argent. Point dans le bango lelo. Bota le lo kaya chansen bimba. Le jeune homme, après qu'on a une carrière beaucoup plus que Oazan a eu lelo. Mais ma ramé détruit carrière naïe ça bah makambo. Bah malversation, bah gens qui ne sont pas contents. Ou en ngalia boy, ou en ngalia boy. Tout ça détruit le football. Faisons très attention. Faisons très attention. Le cas de Wissa, on attend toujours le passeport. Malobayabatu, tout le monde a du concret. Le cas de Silla, dans le total match à Silla, il n'est pas encore à 100%. Nathalie match à Stuttgart, Nathalie Ndeng à Betty, vous allez sentir que Azozonga, mais Azongi Silla, auto-ébakité. Silla, ça a encore beaucoup de travail physique à faire parce que Zongi n'a que physiquement, Azana nous pointé. À perdre beaucoup de ballons, Azozonga difficilement, Azo accéléré difficilement. Et tu sens que dans sa démarche, genou naé était ngami. Hein? Bah choc à genou, bah on comprend le cambo dans l'eau. Donc le cas de Meshack, qui a une blessure, bah tu vas retourner pour la Meshack, a une blessure à ligament cheville. Donc c'est une blessure qui va lui prendre un mois. Après un mois, on a bon février Mobimba, hein? Il peut toujours revenir. Et je crois, hein? J'ai confiance en ce que nous avons entendu. Et qu'il pourrait être apte et pourrait être habilité à jouer les barrages. Bon, ça dépend maintenant de lui, mais bon, nous devons toujours espérer. Est-ce qu'il y a encore un autre binational? Il n'y en a pas. La fédération n'a fourni aucun effort, je vous dis bien, aucun effort pour nous amener des joueurs comme des renforts. Ce n'est pas la fédération. La fédération n'a fourni aucun effort. Donc, bossa très attention dans tout ce que vous entendez. Vous avez toujours un esprit analytique. Analysez toute information et soyez toujours prêt à poser des questions. Hein? Donc, voilà. Maintenant, je vais lire quelques questions en rapport avec tout ce que vous avez dit ici. S'il y a des questions, doit-on comprendre que Hector Cooper. Jérémy Ngakia. Mais personne ne l'a contacté, papa. C'est ça le problème. Qui a contacté Jérémy Ngakia? Personne. Hein? Donc, il n'y a personne. Doit-on comprendre qu'Hector Cooper n'a pas de personnalité pour qu'on lui impose des joueurs? Hector Cooper, si vous allez comprendre, je vais bien répondre à cette question. Hector Cooper, moi, dans ce que moi je comprends, Hector Cooper a un job vraiment au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il a affaire à des gens qui ne sont pas sérieux. Parce que si Hector Cooper Azala qui vraiment cause un job au sérieux, on a passé beaucoup de temps en Argentine. On a appelé Maramo au sérieux, on a sur place, on a se déplacé, on a signé appelé que non, en tout cas je dois aller voir tel joueur, je dois aller convaincre tel joueur. Ce que vraiment Azala qui auront vraiment sérieux. Mais je ne crois pas qu'Hector Cooper a dit à Moussala au sérieux. Je doute très fort. Et ce qui fait que, comme il n'est pas là, c'est Daouda qui dirige un peu tout ça. Et c'est lui qui sélectionne les joueurs, en fait. Hein, c'est lui. Dernièrement, je vois une question. Moi, Mouton. Dernièrement, Trésor a dénoncé les bêtises sur Beyond TV. Il n'a pas mâché ses mots. Apparemment, il n'est pas aussi d'accord pour le choix de Cooper comme entraîneur. Donc voilà. C'est ce que j'ai dit. Je crois que s'il a dénoncé tout ce qui se passe de mal autour de la sélection, tant mieux. Mais il y a beaucoup des anciens joueurs qui sont silencieux devant tout ce qui se passe. Et ça, c'est pas bon. Non, mais Kayambo, quel mystère de sélection. Lui, ça reste un mystère. Boulas esthétique, Boulas ne mérite pas d'être titulaire. Eh ben, ouais, il faut sélectionner les meilleurs, mais ne peut-on pas récupérer Ikoko? On ne va pas récupérer Ikoko parce que tout est fait pour que. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai toujours dit ici. Ils mettent tout en marche pour avoir des joueurs qui, au bazar, le beaucoup pété. Essayez de comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs en sélection qui peuvent se permettre
de foirer pendant 10 matchs, il y a des joueurs qui n'ont pas le droit de foirer aucun match. C'est-à-dire, Binomo Gomituna, joueur local, avec tout le respect pour sa famille, joueur local à Kayambangando, est-ce qu'ils ont mérité vraiment à attendre la présélection? Si on est honnête avec soi-même, Kayambangando Yemowazo s'est torturé moralement. Parce que, mais le type, pour vous montrer que il est à l'aise, il est à l'aise dans les photos, en fait. Quand on le voit dans la photo de l'avion, il est en tout sourire, quoi. C'est souvent des joueurs comme ça qui, voilà, il est à l'aise dans ce qu'il fait. Mais sur le terrain, c'est le nul de chez le nul. Donc voilà, nous sommes intelligents, nous connaissons la réalité, les choses ne marchent pas. À Goma, les clubs n'ont plus de dirigeants à cause des désordres de la Linafoot et la FECOFA. Des matchs gagnés, tout ça. Ok, le vrai problème, c'est ce type coach Daouda, désavoué par Mané Mourinho. L'orchestre a un vrai bordel dans la sélection. Profite de l'ignorance de l'argent argenté de nos joueurs. Okay. Oui, voilà, c'est ça. Bon, maintenant j'attends les questions. Voilà, 10%, je comprends. Maintenant, si vous avez des questions, allez-y. Mais donc voilà. Donc aujourd'hui, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous. C'est-à-dire que ça ne servait absolument à rien que je puisse vous expliquer les choses tactiques, parce que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, ce n'était pas du football, excusez-moi. Même une équipe de 5e division irlandaise ne peut pas jouer au football comme ça. Ne peut pas. On ne peut pas jouer au football comme ça. Il faudra tirer les oreilles de Moukoko Amale, sa motivation. Et ça devient, quand elle dépasse les limites de la motivation, ça lui dessert en fait. Et comme il est dangereux pour Naye Moko, le type, son positionnement était affreux sur le terrain. Moi, celui qui m'a le plus déçu, c'est Mouzoumou, en fait. C'est-à-dire qu'on voit un joueur qui n'est pas en confiance. Est-ce que le championnat marocain n'a pas le niveau? Parce que le Mouzoumou que j'avais connu, c'était pas ça, en fait. C'était pas ça. Déjà compris, les fédérations africaines avaient déjà posé son style, était en contact direct avec l'ancien président de la République. Je le dis, Bissaka et comment? Voilà, les questions que vous me posez sur les binationaux, je crois que j'ai été clair. Il n'y a aucun binational sur la liste qui a été adressée par Roger Itoto qui a été approché, à part Théo Bongonda. Wan Bissaka, je doute fort. S'ils ont les preuves, eh bien qu'ils nous les montrent. Si moi je mens, eh bien qu'ils nous les confirment. Parce que ce n'est pas un secret de polichinelle pour nous mentir et pour nous dire que voilà, tous ceux contactés Aaron Bissaka, dites-le nous. Dites-le nous. Ce n'est pas nécessaire de mentir. Pourquoi mentir à la population? Pourquoi manipuler la population? Et puis qu'à la dernière minute, Bolo Bakino, Tebaboya qui a mon atosuka l'usolo. Et pourtant, Vital Ntimba est là. Et pourtant, on a des joueurs qu'on pouvait renforcer. Le renforcer, vous savez ce que signifie renforcer une équipe? C'est-à-dire que joueur à Zobeta, Aza suffisant, le photo soit joueur Moko, Oyo, Ako, les cahiers, pour concurrence César, pour compétition César. On doit cesser d'être nostalgique. Bolas ne mérite pas l'équipe nationale. Bolas ne mérite pas l'équipe nationale. S'il mérite, c'est peut-être dans les 23, mais pas dans les 11, dans les 23. Ce qui te monique non, bon, et cali moi 11 minutes, 10 minutes, te recote ça y est. Voilà, j'ai un intervenant qui veut intervenir. Un instant. Oui, allô, bonjour. Allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour, Joshua. Oui, c'est Jonathan Pitt, hein? Oui, Jonathan, vas-y. Oui. La Ndiningo, ça, l'analyse concerne d'abord le match. Oui. Et par rapport aussi à jouer en Abisso. Dengue. Bazaleli. C'est tout à fait normal, tout est un match bon à salité. Moni, parfois, ce qui est un comme contre là, un terrain individuel. Il faut voir tout le monde en équipe nationale. Très bien. Voilà le quoi la nette secrétaire. Mon équipe nationale, elle est aujourd'hui, nous sommes tous en bout, tous les joueurs qui sont au niveau local, la biscotte, la roue, la bouteille à l'époque. Bazaté, même si la 30 même, il va me dire, Bazaté.
Zomona. Donc à l'époque, on est locaux parce qu'il y avait des bons joueurs, il y avait aussi un bon championnat. Aux équipes mais le championnat la plus d'abord et ça non mal à monter et tant que les gens vont comme on autant de joueurs On a des problèmes en connexion. Ah, ok. Ok, Ndeko. Ok, Ndeko. Ça l'a gagné, c'est 4 à Mouké. Mais Ndeko, en tout cas, merci. En tout cas, bien, bah, Bozakuna. Bon, mais, pour partager. Bon, mais, pour partager connaissance sur Bino Bozana. Parce que Coupe du Monde, c'est quelque chose qui pourrait rapporter beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir à toute la population. Pourtant, la Maramon, nous toujours souffrir. J'en profite aussi, Ndeko, qui n'a pas sa condoléance. Dans ma famille, on s'est trouvé à Ituri, ils ont battu dans Ituri, ils ont battu dans la Matadi de Kibala. Donc, tout ça, nous devons en penser, tout ça, nous devons demander, et que Bino Bozala très actif. Merci. Ah, merci. Donc voilà, ils ont un des à intervenir. Bonjour, El Fabrical. Ouais. On peut poser des questions, non? Merci pour la live, tout le monde. Oui. Bon, là, c'est plutôt par rapport à gardien de but. Hein, mm-hmm. Parce que vous voyez très bien que ça fait un moment qu'il y a Soumba. Il y a Taza numéro 1 à Bissomé. Tout le monde dit janvier, Windows, oui, s'il y a FIFA, Azul Club, c'est ça, non? Oui. Il n'a pas toujours de club. Mais au moins, ouais. Comme il n'a pas de club, il n'est pas, en fait, il n'est pas. Cloué par le mercato. En fait, il peut partir à tout moment, même si le mercato est fini, parce qu'il n'avait pas de club. Ok, mais quand même, tout le monde a l'équipe qui va intéressé aux joueurs à Sika. Pendant l'été, dans l'hiver. Voilà. Alors, il n'a pas de club. Nous en avons deux matchs, de plus en plus, sans obéité. On va nous perdre le réflexe. Il y a un match, mais il y a. Oui, il y a eu un moment à performer bien, mais comment tu roules ta masola Qatar que pendant que gardien de but numéro 1 à Zadi, hein, tout ça quand même là, ce qui 80 millions de volets, il y a un problème, mais comment c'est encore qui assume, parce que tout le monde est dans la match, c'est lui qui commence et puis va continuer. Est-ce que vous avez été que tout ça un peu freiné par rapport à la point où on a un gardien? Parce que c'est pas quand même logique. Oui, parce que en fait, le gardien, comme j'avais expliqué la fois passée, Donc en fait, le gardien, le problème de Kiasumwa, c'est vrai que ça inquiète. C'est vrai que ça inquiète réellement. Mais
La situation d'un gardien et la situation d'un joueur de champ est très différente. Mais ça commence à devenir un peu lourd pour nous, parce que les autres aussi, on était parce qu'ils ont encaissé. Mais je vois qu'on encaissait. Ah, mais gardien, gardien, club, tout ça. Et non seulement ça, Kassoum Ouattara a aussi amélioré son jeu de pied. C'est-à-dire que footballistiquement parlant, les lobes à gardien, comment on peut participer dans le jeu offensif? Mais balle au pied, Kassoum est très mauvais. Par rapport à Ndeko Néon Amoussou, aux hommes, on a que Kassoum Passi, il a beaucoup plus à l'aise balle au pied. Mais pourquoi Passi a encaissé le but? Il faut se poser la question. Il y a trop de monde dans la surface de réparation. L'équipe de la RDC ne fait que reculer. Vous reconnaissez gardien Ngeni Mutache le colo pour les côtés. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est-à-dire qu'on est victime de notre propre jeu. L'équipe ne fait que reculer. Cette équipe joue face au Bahreïn, 94e, 94e équipe classée FIFA, mais elle joue à 11 derrière. Et pourtant, il fallait faire un pressing sur l'homme parce que ce n'est pas une équipe techniquement qui est irréprochable. Donc on pouvait faire un pressing soit moyen, soit médian ou soit un pressing haut, essayer de récupérer les ballons et mettre 2 ou 3-0. Mais on ne peut pas jouer face au Bahreïn et jouer derrière, rester derrière. Et quand on a le ballon, ne savoir rien faire avec ce ballon. C'est là le problème. Le 4-4-2, c'est vrai qu'on doit reculer. On doit former un bloc. Mais dès qu'on récupère le ballon, on doit proposer des solutions. Mais quelles étaient les solutions qu'on devait proposer? Donc c'est ça aussi le problème. Donc Yassou, c'est un gardien, c'est vrai. Il faut un Luka Club, tu as raison. Parce que le lobby sera encaissé. Il sera battu, toko fustigé. Donc nous devons maintenant faire en sorte que Kassoum Mbappé to ben nga baro bazana ba contact ba lu kela ta club atana mazimbe akenda ya mbatana mazimbe, parce que là on a besoin d'un gardien qui est à la compétition aussi. Il ne peut pas s'entraîner dans sa chambre après une équipe nationale. Non. Nous devons être aussi honnêtes envers nous-mêmes. Donc voilà. Voilà Léopard Oyekokende Moussikate na ba vision ya modèle. Penses-tu que Yonde osa vraiment naveya? Tout le monde adore. Karim qui me joue, il est pour. Bon, moi je vais m'écarter de tous les débats internes ici, mais je vais regarder les questions. Est-ce que Bakambu peut être au point d'ici mars? Il sera au point d'ici mars. Oui, parce que Bakambu, même s'il joue pendant 20 minutes ou 30 minutes, ça dit que l'intensité des entraînements avec l'Olympique de Marseille, ils a blagué. Il sera au point. Bonjour, Ndegonanga, vous participez, allez-y. Par rapport au match qu'on a joué avec cette équipe de Bahreïn. Et vous avez vraiment fait une très bonne lecture en décidant ce problème au niveau du psychique. Parce que on ne gagne pas seulement si on est talentueux. On gagne aussi avec le mental. On peut avoir un talent, mais lorsque on est dans un environnement ou bien on est dans une situation qui nous touche peut-être moralement ou bien on a des doutes, on ne sait pas performer. Et cette équipe, en fait, tous les joueurs, hormis quelques exceptions comme Théo Bongonda, Kiasumba et Tisserand, tous ces joueurs sont vraiment jetés à la poubelle. Et moi, je pense que il y a deux points positifs de ce stage, bien qu'on le décrit. Le premier point positif, c'est de nous avoir montré que non, les locaux ne méritent pas la sélection nationale. Ces locaux qui ont constitué à 90% des joueurs sélectionnés dans ce stade, dans ce stage plutôt, ne méritent pas la sélection nationale. On doit passer cette page des locaux et nous orienter vers les joueurs qui sont plus performants. Est-ce que Les je peux joueurs poser qui une ont. question, mon frère? Est-ce que ces locaux-là qu'on a sélectionnés, est-ce que ce sont les bons locaux? Moi, j'ai des doutes. Il y a peut-être d'autres joueurs locaux aussi aux places qui sont meilleurs. Est-ce qu'on ne Mettons devrait les pas se choses poser là. cette question? Parce que je ne crois pas que Mettons. Tonombe, c'est le meilleur milieu défensif en RDC. Excusez-moi de le dire. Je ne crois pas que Bangala serait mieux qu'un autre joueur de Maniema Union. Pourquoi on ne donne pas la chance aux vrais locaux? Parce que ça, ce ne sont pas les vrais locaux, je ne crois pas. Parce que même dans la sélection des locaux, il y a des 10%. C'est ça aussi le problème. C'est ça. Toujours finir par locaux, mais pourtant, par locaux, il y a mal à mon père, Kikozal. Il faut qu'on ait des gens honnêtes dans cette sélection. C'est ça le problème.
Parce que vous voyez, chez nous, tout est médiatique. Les médias et les locaux qui sont médiatisés sont ceux qu'on est en train de voir dans les stages. On n'a pas cette politique d'aller jusqu'au bas de l'échelle. D'initier le travail, oui. D'essayer des joueurs. On n'a pas cette culture-là. Et les locaux qui nous sont présentés sont ceux qui sont médiatisés et on pense que ce sont eux les meilleurs. Mais vous, est-ce que vous organisez des championnats intercommunaux pour déceler des joueurs? Parce que non, on n'organise pas ça. La base et on monte au-dessus. On n'organise pas ça. Vous n'avez aucune politique sur le football. Et maintenant, voilà les conséquences. Et la deuxième chose, peut-être le deuxième point positif de ce stage, c'est nous avoir montré, et là je vous remercie en tout cas, parce que vous avez parlé de Théo Kouamouanda. Peu, comme moi, je l'ai découvert seulement dans ce match-là, je ne voyais pas vraiment le joueur. C'est vous vraiment qui avez parlé de ce joueur. Et là, on a vu que non, on n'a pas un joueur de cette carrure. C'est le joueur qui nous manquait. Et il y en a plein comme lui qui ne sont pas en équipe nationale. On en a plein. C'est-à-dire que c'est un manque de volonté de nos dirigeants. Les médias, je vous ai dit les médias chez nous. Comment la médiatisation, elle est importante. Vous voyez, quand vous avez un joueur, bon qu'il soit, mais si on ne le voit pas, comment on sait le sélectionner? Et les médias sont orientés vers certains joueurs. Vous verrez aujourd'hui, il y a des personnes, oh non, la Chine veut me sélectionner. Comment il s'appelle encore ce joueur qui joue en DD chinoise? Comment il s'appelle? Oscar Marie, un truc comme ça. Le millionnaire, voilà, ce sont. Et les médias relayent des informations pareilles, parce que c'est ce que je dis. C'est-à-dire que quand l'âme est corruptible, c'est un danger. Ça devient un danger pour toute la société. Voilà, un problème de connexion aussi avec mon frère. Allô? 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 Bon, je crois qu'il a coupé. Allô? Allô? Bon, c'est pas grave. Bon, de toute façon, il a participé. Donc, c'est ce qu'on dit. Moi, je me pose les questions si ce sont vraiment les vrais locaux, si c'est ça les locaux. Je ne crois pas que c'est ça, ce sont les meilleurs locaux en équipe nationale. Penses-tu que le ministère national... Voilà, un autre appel. Penses-tu que le ministère national... Un instant, on va répondre à la question. Hein. Penses-tu que le ministère national des sports est informé de cette affaire? Comment transférer cette émission au ministère des sports à Fatih? Félicitations, cette émission de l'écho. Mon frère, cette émission est une émission conçue non seulement pour informer, c'est ce que j'ai dit, mais c'est-à-dire mais pour réveiller les consciences des gens. C'est-à-dire que nous sommes... la population aujourd'hui qui avait tous les avantages de devenir la RDC qui avait tous les avantages de devenir une grande nation de football africain, aujourd'hui elle est la risée de tous. Et ça devrait nous révolter en tant que Congolais en fait. Mais je sens qu'il y a encore des gens qui défendent l'indéfendable, c'est-à-dire que c'est déjà des âmes corrompues. C'est pourquoi la semaine passée j'avais dit ce qui Fatih Alingi a investi Mbongo na football pour la campagne de la Coupe du Monde. Aïe, baba, nani, y'a qu'on peut s'amboumou, on a pomi, yibi, baza, tout autour. Là. Parce que quand la corruption devient une nécessité vitale, c'est très dangereux. Ce qui est corruption, c'est un cas juste pour le plaisir de le faire. C'est pas grave. On peut toujours soigner. Mais quand ça devient une nécessité vitale, c'est grave. Parce que bana baza nanda ko bazo zela balia, donc osa obligé au ndima corruption, osa obligé au iba, c'est là le problème. Oui mon frère, vous voulez participer à l'émission? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, nazo landa émission. Juste un mot pour notre match à Bahreïn. Je pense que ce match-là il faut oublier parce que ce qu'on t'a dit bien, si tu comprends en fait, Hector. Cooper, il a voulu, parce qu'on lui a imposé ces deux stages-là, et avec ces joueurs-là. En fait, comme il disait lui-même que les joueurs qu'il voulait, il ne les a pas eu. Mais il s'est servi de ça pour leur montrer que leurs joueurs qu'il nous impose ne sont pas encore au niveau. Et ça a le mérite de clore le un instant, il n'est pas tout une question à Théo, non, répondre dans deux minutes. Deux minutes, c'est là mon kin de quoi c'est ça. Et c'est quelque chose de bénéfique. Après, maintenant, je pense qu'à l'heure où on est, il faut maintenant qu'on passe
qu'on se focalise sur le match qui vient. Et ça, c'est quelque chose de très important, en fait. Il faut. On a des problèmes. Et dans la vie, rien ne peut être rose. Il y aura toujours des problèmes. On va toujours en avoir. Même Très si on prend bien. tous les meilleurs joueurs du monde, on en aura toujours. Maintenant, il faut maintenant qu'on se focalise sur les objectifs qu'on a. Et les objectifs qu'on a, on les sait tous. Ça fait plusieurs mois qu'on connaît, bah, plusieurs jours qu'on connaît maintenant notre adversaire. Moi, je suis beaucoup les médias marocains et sur Twitter, leurs débats, etc. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se ressaisisse, qu'on se focalise. Parce que si on commence à se disperser un peu, de dire, en fait, match à Bahreïn, il faut qu'on oublie ça. Il faut qu'on n'en parle pas parce que ça ne sert à rien, en fait. Ça ne nous apportera rien. Maintenant, il faut tout se focaliser sur notre objectif, c'est la qualification. Comment on peut faire pour nous qualifier contre le Maroc? Et les Marocains, moi je les suis un peu, ils ont aussi peur de leur côté. Ils nous prennent très au sérieux. Maintenant, c'est à nous de les prendre aussi très au sérieux et se préparer. Et juste un mot sur Bolasie. Je pense que Bolasie, il faudrait qu'on le laisse tranquille maintenant. Oui, non, c'est pas que. Parce que Bolasie, il vit des moments difficiles, en fait. Il vit des moments très, très compliqués. Il a eu du mal à trouver un club, etc. Et son club est relégable. Et il a eu aussi quelques problèmes, soucis de santé. Et je pense que pour les il a beaucoup de bonne volonté, mais il n'est pas au point. Et tu vois qu'il a aussi pris beaucoup de poids. Et après sa blessure, il n'a pas changé. Parce qu'avec sa blessure au genou, il aurait dû modifier un peu son style de jeu. Parce que là, il ne peut plus courir comme il courait à 25 ans. Il ne peut plus le faire. Donc il faudrait maintenant que quelqu'un le coach pour qu'il modifie son jeu, et ça pourrait être bénéfique après. Très Mais bien. je pense pour les deux matchs qu'on va avoir, je pense que ça va être difficile. Et pour Kassoumboua, je vais juste donner un dernier mot pour Kassoumboua. En fait, il faut que nous, Congolais, qu'on comprenne un peu les choses et qu'on soit un peu indulgents, en fait. Kassoumboua, il est en train de payer. Le prix d'avoir choisi le Congo. Parce que, comme vous le savez, Kassouba, il était mondialiste avec l'équipe d'âge de la Suisse. Et il avait décidé de jouer pour le Congo. Et ça, les Suisses sont en train de le punir, en fait. Et c'est maintenant à nous de le soutenir. C'est vrai qu'il n'a pas de club, mais c'est un très bon gardien. Chaque joueur a toujours des points forts et des points faibles. Mais focalisons sur ses points forts. Et ces points forts sont bénéfiques pour nous, pour l'instant. Très bien. Merci beaucoup. Tu as encore autre chose à dire? Je vais juste rajouter quelque chose. C'est que là, il est aussi en train de payer le prix de ce qui s'est passé autour de la sélection avec Florent Ibenge. Normalement, Kassouba aurait dû être titulaire dès 2019. 2017, pardon. On nous a remis. Comment Matin. s'appelle encore Ma tant pis. Moi, je respecte le joueur qu'il est, mais il n'est pas très bon, ma tant pis. Il n'a jamais été bon. En fait, depuis la vague de gardiens comme Toka là, et Maïa là, on a. Au Congo, on a plus de bons gardiens. Et le depuis ces temps-là, le seul gardien qui vaut la peine qu'on a eu, c'est Joël. Mais même quand tu vois Mandanda n'était c'est pas le même niveau. Et maintenant, Merci beaucoup, Ndeko. Non, répondre à ma question, c'est monsieur Soussou, je n'ai pas beaucoup de pas temps. celui-ci, car Il me reste plus que il 10 faut juste minutes. qu'on le soutienne et qu'on soit derrière lui pour le procès, le soutenir. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Non, répondre à ma question, monsieur Soussou. Voilà, on me pose la question ici. Penses-tu que le ministre. Oh, l'information de cette affaire, j'ai déjà répondu à ça. Un autre joueur qui peut apporter un plus à l'attaque, c'est Grady Diangana. Non, répondre à la question, il y a un écho Théo. Théo sera-t-il éligible en mars? C'est de ça qu'on parle.
Parce que les gens ont fait la démarche administrative au niveau de la FIFA. Parce qu'il y a un club en Belgique. Il y a un jeune en Belgique. Donc il faut d'abord changer sa nationalité sportive. Et après avoir changé sa nationalité sportive, il faut qu'il y ait la démarche administrative via passeport, si mandat comme éligible. Donc démarche à Théo. Ce qui est la fédération, il y a un bouton. Pourquoi il y a un bangan de bête? Il y a un bouton. À l'aise. Mais il faut bien aussi qu'on ait beau salamakelele. Tant que vous restez silencieux, tant que vous restez silencieux devant toutes les injustices qui se passent au niveau du pays, eux, ils vont continuer à faire ce qu'ils veulent. Donc c'est à vous maintenant de dire que non, bocha pression, bolobake, joueur wana fazal. Joueur wana fazal. Poké azal. Ce qui t'est, en tout cas, on sera toujours dans la même situation. Comment évolue la situation d'un Nkunku? Pourquoi pas Nkunku n'est pas là? Monsieur, je crois que vous êtes arrivé en retard dans cette émission. Je suis d'accord avec lui pour là, si vous demandez d'être écarté. L'unité, c'est aussi mettre Tisserand sur le banc. Trop de légèreté défensive. La RDC sans lui encaisse moins. Ça, c'est une mentalité qu'il faut bannir. Quand tu regardes le football, ne crois pas dans la superstition. Quand tel joueur est là, on encaisse plus, on encaisse moins. Tout ça. Quand quel joueur était là, on a encaissé plus. Quand quel joueur était là, on a encaissé moins. Vous avez les statistiques, vous m'envoyez les statistiques. Parce que quand on regarde la rencontre, on ne peut reprocher Tisserand en rien. En rien. Parce que le but, il arrive de la gauche. Il n'arrive même pas de son axe. Quand un défenseur, les deux latéraux ne savent pas couvrir et que Nsakala se met à sauter comme un judoka, on n'a pas le choix, on n'a pas trop le choix. Oui, pour répondre, oui mon frère. Je suis désolé, vraiment, on permettre Naï, Zanazo, répondre, de quoi intervenir, Témenali, vraiment, n'a apporté un pardon, mais qu'à quoi éclaircir un peu. Quand je parlais du gardien, Kiasumba, dans l'obité Kazam, mauvais gardien, j'ai dit que Azo Yamba bien Lelo, mais après quelques temps, à coup perdre la réflexe, un match, alors ça va nous coûter une Pénalisé. grande nation, voilà. Vous voyez un peu, parce que j'encadre des joueurs, on a plus de 40 joueurs. Joueurs à vendre, on n'a pas un bête à la joueur à bête à 5 jours. C'est deux choses différentes. Très Il y a bien. Romoni, la sélection n'y a pas la Sarabatelle, c'est longtemps de jeu. Vous voyez? Donc on a quand même une grande nation. Oui, il fallait qu'à bête la Suisse, ça c'est le passé, il fallait à la titulaire. Mais on parle du présent. Je Très bien. pense que la RDC a été quand même assez tolérant avec lui. On dit qu'il y a mis pendant tant Moulaïd, tant Kazan à club T. Mais maintenant, donc, t'es quand même les locataires, Qatar, t'es disant, Salim Sogras, je ne sais pas, Kazan à club T, a mis la Coupe du Monde parce que faut que les Mawa. Non, c'est pas ça. C'est juste. Ça tue beaucoup dans le Congo. Ouais. Méritocratie, c'est que, comment on dit par exemple, tapez cet exemple, Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, ma PSI, Real de Madrid, ma Coupe Aminene. Mais l'année prochaine, tant que ça lit zéro, alors on va nous ça. C'est Voilà. comme ça que ça s'est fait. On Ce est n'est dans pas le que oh Bozo va ingrat, non, Non, non. non, 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 ce n'est pas ça. Je Bozo veux finir dire avec que le football Bengue. ici. Zidane coûte à Voilà. trois coupes d'Europe, mais à Voilà. Longoire. Voilà. Naïf Bavarez, sur Léopard, la Sombra, on est la Sombra numéro un pour l'Asie. Parce que c'est notre star. Bakamasa et la Bisson, sur hôtel, là, ma Facebook, partout, Hazard, ma million pour les Kamakitu. Mais ceux qui Les ont gens coquitté, ont cherchent coquitté. à coquitter, ils doivent y aller. Voilà. C'est ça le C'est le football. Mais ça, football. pas va goûter qu'il y a gratitude. Non, 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 non. Et ça, business, et ça, c'est un bon mot. On s'allie bien qu'on va bien à côté de nous. Ils sont aux zones en forme, aux zones de ce soir. Merci Fabrice pour Business, l'intervention. c'est ça. Merci. Donc, Merci Ming, merci. Voilà, donc, Tsakala, franchement, je n'ai rien à dire pour ce joueur. Franchement, c'est le nul. Lui, c'est le pire des joueurs de toute l'équipe nationale. Incapable de contrôler un ballon. Incapable de courir avec un ballon. Incapable de défendre. Incapable de sauter. Il est nul. Il n'y a rien à dire sur Tsakala. Il est nul. Ne trouvez-vous pas qu'en Sombalang a pu réintégrer l'équipe nationale? Mais oui, mais Barroso a été pour ça la comboté. C'est ça le problème. Attaché 1000 buts en Turquie, c'est comme ça que ça marche. Il faut laisser la place aussi aux autres pour Baliambo. C'est ça. Donc il faut maintenant botcher les pour la Sombalang. Ce botcher était Barozo a été.
Voilà, le narrateur, son temps est fini. Liste à marche, Bimimabe, nous allons. Adjoint à Cooper a banni déjà ma démarche, il y a Théo na FIFA. Mais ce n'est pas lui de faire les démarches, il y a Théo. C'est là le problème. Est-ce que adjoint national a qu'il nous la démarche na FIFA? C'est la fédération qui envoie tous les mails à la FIFA pour nous débloquer la situation. Parce qu'il y a des correspondances qui se font entre des fédérations. Adjoint à Cooper a la démarche ni. Démarche ni au sale. C'est la fédération qui doit engager l'autre fédération. C'est des mails, des correspondances qui se passent entre la FIFA, la fédération congolaise et la fédération belge. Adjoint à Cooper a reçu la démarche. Ils avaient démarché que Bimia a une ambassade au Kébim sa passeport, non? Donc, si la fédération a ça rapide et qu'elle a sérieuse, bah, Bimia sa passeport, on est bien avant. Donc voilà. Des joueurs comme Poku, on ne l'appelle plus. Voilà le cas de Poku, n'a s'est expliqué Bino maintes fois. Poku a lobby qui a un problème dans la fédération. Fédération a lobby qui a un problème dans Hector Cooper. N'a pas perception numéro Hector Cooper, tout y est la vérité. Moutouté. Silence radio. Bah, dirigeant ou bah, le bah, vérité, ce que tu n'y bah, en question, bah, bête à faire à mon nom. Mais bisous, n'a qu'à t'inviter, mon ami. Tous ceux qui nous suivent ici savent que Poku n'a pas menti. Parce que j'avais posé la question ici à monsieur Rémi. On sait tous que Poku n'a pas menti. Aza, quand même, les bons matières qu'on a inventé, les Camerounais, les bons. Et puis, quand on voit les raisons pour lesquelles Hector Cooper a beau lié, ce que Hector Cooper a capable de rappeler quand il y a Mbangando, alors on a le banin. C'est qu'Hector Cooper a eu l'été. Parce que comment tu peux rappeler quand Mbangando n'est pas rappelé beaucoup? Donc ce n'est pas une question de Hector Cooper, c'est une question purement de la fédération Mathieu et Bouton. Voilà. Et ces choses vont continuer. Et dernière pour terminer, pour terminer mon analyse, vous savez aujourd'hui dans le football, les matchs peuvent être gagnés juste par coup franc, corner, balles arrêtées, tout ça. Ça se travaille à l'entraînement. Les lots coup francs, et comment le rôle à pénalty? Les lots corner, et comment le rôle à pénalty? Mais faut mon corner à RDC. Faut mon coup franc à RDC. Donc, on se pose maintenant la question, est-ce que Bateau Pénal va travailler qui n'a stage? Est-ce que bah travailler qui pense en stage? Faites-nous un live avec Mpoku. J'avais déjà envoyé ma lettre à Mpoku. Il m'a répondu. Il m'a dit que dans le contexte actuel, avec toutes ces polémiques, il préférait qu'il parte à ça la interview Mikolo. Aba n'a pas patienté Nazil. J'ai aussi parlé avec Erita Ilunga à Bangonyo Swabi n'a Nazil. Nous allons avoir une interview dès que le moment sera propice. Est-ce que les démarches de Théo Bongona est en cours comme certains médias l'annoncent? Oui, elles peuvent être en cours. Et ça pourrait m'arroser en cours. Et ça pourrait m'aider à. Pourquoi la fédération Nabino? Si vous êtes sérieux dans tout ce qu'on va vous demander, dans tous les documents et dans toute la volonté. Parce qu'on voit des démarches et ça là-bas, un an. Bah, démarche à RDC, bah, papier, belé, tout le monde, bah, démarche, monsieur, ça là-bas, un an. Souvent, il y a un gros tchèque, qu'on soit au tchèque. Démarche, il y a le qui a Magoma, Tilelo, Christian. Est-ce qu'ils auront débloqué? Non. Ils auront encore tourné, tourné, tout autour. Je me rappelle, bah, démarche, il y a bah, joueur, le coup là-bas. Il y a Nanyoyo. Bah, joueur, monsieur, je me rappelle. Bissot, bah, tout le monde, lettre na FIFA pour avoir la pression. Hein? Donc voilà. Pour les gens qui disent qu'il y a un problème de son, as-tu vu les réactions durant les matchs? Oui, j'ai vu les réactions de Cooper, mais voilà, c'est des réactions que nous tous nous avons eues. Nous tous nous avons eu ce genre de réaction. Donc voilà, il me reste 10 minutes, je vais lire les dernières questions. La route débordée, 1h30. Voilà, est-ce qu'il y a encore des questions que je dois répondre ici? Ah, il n'y a jamais de saison titulaire indiscutable. Bonjour, ah, bonjour Voulouz Kimbangu, bonjour. Bonjour là où vous êtes. Aaron Tchibola, voilà, Tilelo sans suite. Hein? Steven Mala, comment tu veux me poser cette question? Comment tu trouves Kayamba? Non, soyons quand même sérieux. Soyons quand même. Tout ce qu'a Kayamba. Après, on est parti à Lelo. Mon RDC, on a tellement de joueurs, il y a Bobo Bonimbi.
Ata ba sélectionné kaka 14 joueurs boye ba ke kaya mangando aux analystes. Oyo nyo sa yebika beta a poste mo na kaya mangando nazo prévenir bino. Boye ba kadia ke ba rozwa yote, ba rozwa kaya mangando. C'est comme ça en RDC, il faut dénoncer ces choses. Tchibola, voilà, merci ambassadeur Roger Lomponde. Merci mon vieux. Donc voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas question que non oh bah oh adieu à couper à l'objet à bandit bah dimanche nous on a organisé ça qui nous a gagné ça le permis na royal les dimanches c'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Quand les élections à la FECOFA pour élire un nouveau président, les élections c'est en juin. Ne trouvez-vous pas que le cas Wissa est similaire à celui de Bastien? Alors pourquoi le cas de Wissa n'est toujours pas débloqué? Non, le cas de Wissa n'est pas similaire à celui de Bastien. Oui, ça c'est un problème de passeport. C'est parce qu'il n'est pas encore descendu au Congo pour avoir son passeport. S'il descend au Congo, il aura son passeport. Mais la question qui se pose, c'est qu'il y a, on a vu aussi des joueurs descendre au Congo. Par contre, le passeport, on a vraiment salé ma guité. Le Zaika, 12. Comprenez? Donc c'est comme ça que ça marche à la FECOFA. Je crois que oui, ça, s'il descend au Congo, il aura son passeport. La démarche de Chibo et l'autre attaquant qui juste jouait en D3 anglaise. Voilà. Tilelo, Kachunga il est. Tilelo. Bah ça la montée. Donc si d'abord il n'a pas ça là parce que bon, ça ôté. FIFA n'a pas répondu, il sauté tout ça. Mais c'est juste. Et pourtant, FIFA a Zalaranaï, on va le ôté. FIFA bah quelle vacances. Ah, quelle peut être la place de Théo Bongona dans un 4-4-2 de Cooper. Comme milieu offensif côté gauche. S'il te plaît, avec votre influence sur le milieu des binationaux. Pouvez-vous faire le live avec certains comme Balikwisha, Aurel Mangala, Axel Issas? Moi, je n'ai pas de contact avec les joueurs. En fait, j'évite d'avoir des contacts avec les joueurs pour faire des interviews. Ils ont façon d'engager. Parce que je veux pas biaiser mes analyses. Voilà. Mais si vous voulez des interviews avec des joueurs, vous pouvez contacter mes collègues de d'IMTV ou alors mes collègues de... comme le vieux Roger, vous pouvez contacter Léopard Leader Foot, hein? Vous pouvez contacter Léopard Foot, eux ils peuvent faire des interviews avec des joueurs. Voilà, et bon au fond, 9 Moussous à Outagi République. Voilà, comment t'as trouvé la prestation de Bakam Bundeko? Bakam Wabetagi match à Bahrain T, Bakam Wabetagi contre Marseille, voilà, il se cherche encore. Bon, au moins, action, moi, Azaki vraiment, au moins, ceux qui sera tiré, vous comprenez que ce joueur n'est pas encore arrivé, mais il est sur la bonne route. Vous voyez comment il utilise les espaces, les appels en profondeur, tout ça, c'est déjà bon signe. Mais il faudra qu'il lève toujours la tête. Des fois, il y a Bakam Mouyangouana. Sera abîmé à Zu Action, à Tomboula Moutouté. Yangone Moutekouta, Bissot Qualification. Bakam Saga Pimela qui a quoi le passe, non. À Tomboula Moutouté. Sera Tomboula Moutouté, Makansine, vous aura attiré. Tant que vous tirez, gardez à Roulongola, soit Yoro cadré, parce que tire dans le. Moi, pour ce type de la forêt qui a dit des bêtises. Ah, ok. Sous qui ça? Comment le trouvé? Ok. Voilà que j'ai répondu à toutes les questions. Pourquoi le cas de Wissana répond en haut? Alors, tous les magouilles qui se font autour de la FECOFA, le ministre des Sports ne peut pas intervenir. Bon. Je vais vraiment éviter d'être trop dur envers nos dirigeants. Mais je pense que. Ce que j'ai dit au début, si tu es au Zongisima, on comprend que Magouille est à un niveau à Fekofati. C'est très important, Ebeloko. Magouille est à un niveau à Fekofati. Magouille est à un niveau à ministère. Donc, eux, ils sont en train de se partager le gâteau, en fait. Ce qui m'aura l'endambo, ce qui m'aura l'endambo, qui est abîmé dans Teva Kelo, à Kefund. Ce qui peut être un ministère, il y a un ministère qui est à Kefati. Bango pe ba leki bengi ba journaliste na bango ba intervenant pour na bango ba ke ko défendre. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a toujours un ping pong wana entre ministère na FECOFA parce que les deux sont en train de voler. On n'a pas de dirigeants parce que quand tu dépenses de l'argent pour un stage toi en tant que ministre et puis se déplacer dans un stage tout en sachant que tu as une équipe de basketball qui devra bientôt se performer, tu en as besoin bongo. Mbongo wana ke na stage wana. Ce que tu l'ongola qui mbongo wana ke toloba ki bon, ambassadeur, zoa $3,000, zoa $5,000, invitez famille à Aaron Bissaka. Invitez famille à Nkunku. Fais le déplacement. Pesa biso liste à 24 jours wana.
Bon, fan d'un Hector Cooper. Bon, si bon habillé, vous foutez l'Hector Cooper, ambassadeur Roger et tout. Bah, c'est déplacé. Bah, qu'il n'y a pas de famille, bah, joueur Rouen. Ce qui va commis sur place, bah, Benny Félix. Félix a pèsi, nani, passeport diplomatique, alors. A pèsi d'Adjuna Gims, bah, passeport diplomatique. Et là, on les a mis à ça, il a fait, bah, joueur moi, et là, on m'aura bien. Mais mal entouré. Président Félix, n'a eu une mission, oh, attendez l'autre aux hommes qui. Mais un jour, les gens vont se souvenir des choses que nous sommes en train de dire. L'entourage du ministère, l'entourage de la fédération, c'est tous des gens qui sont dans des pratiques qui ne contribuent pas au développement du football congolais. Tous ces gens-là doivent partir. Ceux qui m'ont quitté, vous avez un problème pour le football congolais. Tous ces gens-là qui n'ont aucun projet pour le football congolais doivent partir. Hein? Bon, la situation de Bopé, il a un problème tel. Bopé, il suffit de le sélectionner. Il mérite la sélection nationale. Hein? Donc voilà. C'est votre élection d'une ancienne gloire de Léopard à la tête. Il a fait voir immédiat tous ces problèmes des binationaux. Mais voilà, bon, je ne veux pas trop critiquer, mais en ce moment, Chabani Nunda, il est silencieux. Et pourtant, après ce que le monsieur là avait dit par rapport au natif de Charleroi, Chabani Nunda devait se lever et dire quelque chose. C'est ça que je suis en train de fustiger en ce moment. Bokeye n'a bien aucun dans la baraine, tout ça. Mais Boyebi que ambassadeur batine de l'étiqueté. Ah, ça commence un peu à devenir suspect. Parce que si on continue avec toutes ces pratiques, des pratiques de silence, et qu'on n'ose pas dire, on n'ose pas affronter le public, leur dire les vérités, là ça devient un peu, ça devient frustrant. On se pose des questions sur la véritable intégrité de nos gens. Voilà. Olga travaille au ministère des Affaires étrangères. C'est qui Olga? Je ne connais pas. Savez-vous que l'élection, ouais, il faut finaliser les démarches de Théo Bounouna? Oui, il faut. Ça, c'est vrai. Ouais, voilà. Donc, Mouzoum Wassala Kinzadi. Voilà. Merci beaucoup. Il est 10h28. J'ai passé 1h30 comme d'habitude avec vous. Je vous fais. Je vous laisse. Un rendez-vous pour la semaine prochaine. J'espère que vous serez encore beaucoup plus nombreux. Et j'espère que vous allez partager et aimer. Hein? Botali quand même, vous aimez. Botali quand même, botiquette moi, moi, commentaire. Moi, partage, ça fait toujours du bien. Ça nous permet de bien préparer les émissions. Ça nous donne beaucoup de courage. Et ça nous donne aussi la confiance. Vos appels sont les bienvenus. Tous ceux qui ont mon numéro WhatsApp peuvent toujours intervenir et participer la semaine prochaine. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons voir ce que nous allons analyser. Toutes les informations au courant de la semaine, toutes les actualités. Si vous voulez avoir des détails, consultez la page YouTube, la chaîne YouTube de DMTV Info, Global Sport Promo, Léopard Leader Foot, Léopard Foot. Parlons de Léopard, c'est notre tribune mère. Ne ratez rien, ceux qui ont besoin d'informations, nous sommes les bienvenus. Nga, Naza, on a toujours pour nous répondre à la question Nabino. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous remercie pour avoir été présent pendant 1h30 avec moi, hein, même si j'ai beaucoup parlé. La semaine prochaine, Naroye Bandingeni Nitorosala analyse sur tout ce qui va se passer, tout ce qui va se passer au courant de cette semaine, l'évolution, les joueurs, les nouveaux joueurs, tout ce qui n'aura pas. Tout sera au centre de l'actualité congolaise. Nous aurons à les partager avec vous. Je Josh, je Steven, on doit être membre de la FECOFA. Moi, je serai jamais membre de la FECOFA. Merci et bonne soirée à vous. Merci Lian Ryan Moussa. Merci Debeka Ochudi. Merci Samuel Smith. Merci Steven Bala. Merci mon vieux Roger Lomponda. Merci Jean-Cy Emmanuel Moody. Merci à Serge Gabriel. Merci à Kabouyashiou Jonathan. Une bonne soirée à Sylvain Alvoussi Mavala. Micha Pongola, merci Pounana Maroc. Na Pesibino Mbote, Bandekwa Maroc. Na Pesibino Bambote. Ebele, Bobenga Kinga. Bandeko ya Ituri, na Pesibino Bambote, pe Ebele. Bissika Bozali, Bandekwa King, tous les membres de Global Sport Promo, hein, Bandekonyo Sobalini va soutenir œuvre Oyo.
bozomona ndenge nazosala mwa ordinateur mwa micro bao nyonso bakoki kocontribuer po tozala pe na mwa plateau moko plus professionnel. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez toujours appeler sur mon numéro. Bah, où est la connexion, donc avec la présidence, le ministère, tout ça, n'hésitez pas à leur faire parvenir nos messages. C'est très important. Total, avant l'émission, c'était pour le plaisir. Mais épais, ça dit ce moment, les mots boués pour défendre la couleur et le cannabis. C'est très important. Le but de cette émission, les apprenants peuvent s'habiller sur les défendre devant toute cette carapace, de nous débarrasser de cette carapace corruptible qui entache le football congolais. Merci beaucoup, Micha Pongola. Merci à Benoît Ngongo à partir de la Croatie. J'ai déjà répondu à la question de Théo Bungonda. Donc voilà, merci beaucoup. Dadi Motiandao, merci à Eddie Kambwe. Donc voilà, merci à tous et on se voit la semaine prochaine. Bye bye. Boop 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 boop.